équipe, on le sait, elle montera la saison prochaine, mais elle peut encore aller chercher le titre. Oui, Hervé, pour cela, il faut faire au moins un match nul dans cette rencontre. Finalement, c'est assez simple. Début de ce match avec les Sky Blues de Man City au coup d'envoi. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Sané. Tu trouves qu'il faudrait plus de remplacements, toi, autorisés dans un match ? Bah, disons que sans aller jusqu'à ce qui se passe dans les matchs amicaux internationaux, parfois trois remplacements, ça a l'air un peu juste, notamment qu'il y a des accumulations de blessures. Ouais. Maintenant, la solution idéale, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Karim Benzema. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, il pouvait mettre son équipe devant. Très tôt dans ce match. Et il a raté l'occasion. Il a été maladroit à la limite. Je me demande s'il est déjà entré dans la partie. À mon avis, cette occasion va le réveiller. Enfin, j'espère. Sergio Aguero. De Bruyne. Sergio Aguero. Un des tout meilleurs. Kevin De Bruyne. Ballon bien négocié par le gardien. Interception. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Gardien qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Fernandinho. Ouais, Sterling qui va peut-être déborder. Emeric Laporte. Kevin De Bruyne. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Sergio Aguero. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Le ballon qui vient heurter la transversale. Ah, ça, il avait mis le paquet là. Sergio Ramos. Kroos. Sterling. Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez. Kun Agüero. Sterling. Marco Asensio. Ah, ils ont fait les efforts pour aller chercher ce ballon. C'est bien joué. Bon pressing. Isco. Bale. Ah, le bon ballon de Benzema. Ah oui, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Fernandinho, Kyle Walker. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Riyad Mahrez. De Bruyne. Ah, elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Les joueurs du Real qui vont devoir se montrer sérieux hein, face à ce type d'adversaire. Oui, Hervé, là, tous les pronostics le confirment. On devrait assister à un match serré. Donc, je ne vais pas faire de pronostics. Ça m'évitera de me gourer comme d'habitude. Riyad Mahrez. Avec un tir. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre, finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé. Quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je ne vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Hein. Modric. Isco. Asensio. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Riyad Mahrez. Oh, c'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Allez, le centre à venir. Donne sur l'aile à Bale.
Kevin De Bruyne, Sterling, Riyad Mahrez. Modric qui va trouver un adversaire sur cette passe. Kevin De Bruyne. Ouais, le ballon qui est perdu. Marcelo. Modric. Ah, la magnifique passe là de Modric. Allez, il peut la mettre Isco. Ah oui, c'est dedans. Un but qui va faire du bien à ses joueurs. Bah, disons que le titre n'a jamais paru aussi près. Ils y sont là, ils y sont. Belle conclusion, force sur la droite, beaucoup de sang-froid sur ce but. Le Real Madrid qui prend donc les devants. La porte. Fernandinho. Ouais, Sterling qui va peut-être déborder. Ce sera un corner, l'occasion pour cette équipe d'aller chercher l'égalisation, pourquoi pas. Les supporters qui savent que ce corner est très important. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Sergio Ramos. Kyle Walker. Bon, attention, c'est pas fini. Allez, une touche bien placée pour City. Riyad Mahrez en position idéale pour centrer. Fernandinho. De Bruyne. Ouais, la frappe. Benzema. La passe interceptée de Karim Benzema. 2 minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. Agüero qui s'enfonce. Agüero. Elle est au fond. Petit avertissement sans frein hein, pour le moment avec cette égalisation. Et l'entraîneur, il n'a pas apprécié. Hein. Bon. Ils sont encore mathématiquement champions, mais à la moindre erreur, il ne leur restera que l'orgueil pour pleurer. C'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Bale. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ces 45 premières minutes. On vient d'assister à... C'est reparti, le ballon pour les joueurs du Real Madrid. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Modric. La défense qui récupère. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ouais, la bonne passe d'Agüero, c'est dangereux. Oh, c'est une balle de but là pour Riyad Mahrez. Man City qui va bénéficier du corner. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Gareth Bale. Dans cette mi-temps, on va nous donner l'occasion d'évoquer ensemble la première période de Kun Agüero. Une très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue. Sané, ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Oh magnifique, on le croyait battu et il nous sort un arrêt exceptionnel. Ah ben, c'est vraiment là que le mot « dernier rempart » prend toute sa signification. Carvajal. Luka Modric. Il lève la tête, il va centrer. Il cherche à alerter Benzema. Mais sans problème pour le gardien, ce centre. Casemiro. Modric. Luka Modric qui a du soutien autour de lui.
Modric. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe, un peu contre le cours du jeu, faut bien le dire. Ah bah c'est clair, mais c'est ça aussi le foot, il faut s'attendre à une réaction terrible. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Et bien la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument, ils courent après la balle la plupart du temps, ils ont du mal à ressortir les ballons, mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Manchester City est mené. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Toni Kroos. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Marco Asensio. Très bonne sortie du gardien qui a vraiment jailli, percuté dans les pieds. Et sans commettre de faute en plus. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Kroos. Modric. Oh la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Kevin De Bruyne. Ouais, très bonne passe, ça, de De Bruyne. Ah ouais, c'est bien fait, ça. Oh non ! Oh, quelle occasion ! Oh, manqué ! C'est l'égalisation là qu'ils viennent de rater d'un cheveu. Oh, c'est une sacrée occasion quand même, Hervé. Le match n'est pas terminé, mais là vraiment c'est nul. Hein. Sterling. Allez, il va y aller, il va y aller, Agüero. Ouais, cette fois il ne trompera pas le gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Allez, corner, l'occasion d'égaliser peut-être. Ouais, bien parti, le corner de David Silva. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Constance. Ah non, non, c'est mal défendu là. Sané. Gabriel Jesus. Un tacle parfaitement fait pour mettre ce ballon au corner. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Ouais, manqué peut-être de conviction cette attaque. Casemiro. Luka Modric, Dani Ceballos, Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Sergio Ramos, eh non, la passe est interceptée, ouais, la bonne passe d'Agüero, c'est dangereux, il faut s'alerter finalement, Marco Asensio, Marcelo. Dani Ceballos. Modric. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Et qui va pouvoir relancer son équipe. Bernardo Silva. Ouais, la bonne passe d'Agüero, c'est dangereux. L'action n'ira pas plus loin. Ce sera un 6 mètres. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Les joueurs qui sont en train d'assurer le titre dès aujourd'hui. Ils étaient à un point du sacre avant le coup d'envoi. Ils sont en passe d'embarquer 3. Voilà un beau champion. Casemiro. Gareth Bale. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et la bonne anticipation sur ce centre. Et le public qui pousse, Pierre. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, visiblement, il y croit et c'est bien. Un geste plein de calme, de maîtrise. Allez, bien frapper ce corner, c'est important. Un corner. Emeric Laporte. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Et 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel.
Le Real qui a une avance d'un but dans ce match, qui ne s'en contente pas. Manchester City qui doit tout faire pour marquer au plus vite. Casemiro. Luka Modric. Dani Ceballos. Asensio. 2 minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. Le roi Sané. Le ballon en retrait. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Et ça y est, l'arbitre qui vient de siffler à l'instant la fin de cette rencontre. C'est le Real Madrid qui s'impose. Et voilà, les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils sont pas foulés sur le podium. Hein. C'est vrai que c'est pas super, mais bon. Les joueurs s'en fichent. Hein, et... Ouais, ce qui compte, c'est le trophée qu'ils vont pouvoir brandir dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters. Ils ont l'air impatients, voilà, ça tapote, ça sautille, ça chahute. Les fameux papelitos hein, qu'on voit maintenant sur toutes les remises. Ça y est, voilà, la coupe est brandie. Superbe victoire devant une foule en liesse. Hein. C'est vrai que c'est un résultat qui était attendu par tout un club. Ah oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. Et je sens qu'il est heureux. Allez, ils vont aller partager ça avec leurs supporters. Le gardien s'est emparé du trophée. Il va le brandir devant les fans. Ouais. On va les voir qui se congratulent également. Et tout le monde veut la toucher, la coupe. Hein. Ouais. Bon, il lâche pas son bout de droit. Hein. Pas prêteur avec son trophée, le garçon. Et regardez cette belle image, les supporters qui s'allient, on prête ses jouets. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant. Quoi. Sergio Aguero. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et le ballon qui vient heurter la transversale. Ah ça, il avait mis le paquet là. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Allez, il peut la mettre, Isco. Ah oui, c'est dedans. Un but qui va faire du bien à ses joueurs. Bah, disons que le titre n'a jamais paru aussi près. Ils y sont là, ils y sont. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être. Aguero qui s'enfonce. Aguero. Et elle est au fond. Petit avertissement sans frais hein, pour le moment avec cette égalisation. Oh, l'entraîneur, il n'a pas apprécié. Hein. Bon. Ouais, la bonne passe d'Aguero, c'est dangereux. Oh, c'est une balle de but là pour Riyad Mahrez. Man City qui va bénéficier du corner. Luka Modric qui a du soutien autour de lui. Modric. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Un peu contre le cours du jeu, faut bien le dire. Ah bah c'est clair, mais c'est ça aussi le foot. Allez, bien frapper ce corner, c'est important. Le corner, Aymeric Laporte. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré.